Je vais avisar todo mundo. Salut à tous et soyez les bienvenus sur YouTube. A gente vai começar agora a leitura dos próximos capítulos do livro Le Petit Prince. Para quem me acompanha, sabe que ontem a gente começou, a gente leu os capítulos 1, 2, 3 e 4. E a live de leitura, ela é um pouco diferente, ela é realmente focada. Eu vou apenas ler, não vou perguntar praticamente nada para vocês. E eu vou focar aqui já, só avisar aqui a galera que a gente está começando. Então, deixa eu pôr aqui. Para quem? Para esses daqui também. E onde vai? Então, vocês podem me acompanhar, seja pelo Instagram, aqui, só ouvindo, ou pelo YouTube. Para quem não assistiu ontem, não se preocupem, assista hoje e depois volta e assiste aí na ordem para conseguir acompanhar tudo o que você perdeu ontem e tal. Deixa eu ver, cadê? Peraí que eu errei aqui, deixa eu já deixar aberto, voilà. E agora vai. Hoje eu tô sem o Theo, ontem foi participação especial do Theo, que tava muito fofinho. E voilà. Então, aqui temos, a gente já leu le premier chapitre, a gente já leu chapitre 2, 3, et... Já lemos. Quatro. E agora não me lembro se a gente leu o quatro. Deixa eu ver. Ah, não. Lemos sim. Nos avons lu. Então, vamos começar aqui do capítulo 5, d'accord? Então, vamos lá. Chapitre 5. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard des réflexions. C'est ainsi que le troisième jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement, le petit prince m'interrogea comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, j'y suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes, mais le petit prince ajouta. Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit, ben voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, des bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'était les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines et si la planète est trop petite et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Oh. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince.
Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue. D'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes, c'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux, il avait négligé 3 arbustes. Et sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que, pour une fois, je fais exception à ma réserve, je dis « Enfant, faites attention aux baobabs ». C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs. La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animée par le sentiment de l'urgence. Acabou de ler o capítulo 5 do livro Le Petit Prince. Eu vou continuar essa leitura mais um pouco, mas é que eu tô vendo uma galera aqui escrevendo. Gente, eu não tô vendo os comentários aqui de vocês, porque senão eu vou me perder na leitura, tá bom? Mas só para vocês saberem, tá rolando aqui leitura do Petit Prince, d'accord? Então vocês podem aproveitar, assistir a gravação depois, pega e lê junto comigo aqui no YouTube, mas não deixem de assistir. Deixa eu só deixar aqui, dar uma olhadinha. Salut, Alberto. Que massa aí. Salut, Larissa. Galera mandando as suas hashtags. Ótimo. Então, vamos lá. Chapitre 6, capítulo 6. Então, peguem aí o seu livro ou venham me acompanhar aqui no YouTube. Primeiro, olhem o desenho. Regardez le dessin des trois baobabs sur la planète. D'accord? E aí, chapitre 6, capítulo 6. Je fais un hack, t'as mis d'autres. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi ? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord. Et puis, tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit, je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste? Mais le petit prince ne répondit pas. Chapitre 7, capítulo 7 du livre Le Petit Prince, venons comigo. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines, oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser
un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles ? Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis « N'importe quoi, les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. » Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. « Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent. » Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondais rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda. Stupéfait, de choses sérieuses. Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme. C'est un champignon. Un quoi ? Un champignon ? Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça ? Il rougit, il reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important ça. Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans mes bras, je le berçais, je lui disais, « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit, je ne savais pas comment l'atteindre ou le rejoindre. » C'est tellement mystérieux, les pays des larmes. Et voilà. Então agora a gente acabou de terminar o capítulo 7 do livro Le Petit Prince, para quem está entrando agora e talvez não saiba o que a gente está fazendo. Estamos lendo o livro Le Petit Prince juntos. E para você acompanhar a leitura, porque você está vendo que eu estou olhando aqui para o lado, eu estou no YouTube lendo este livro, então você consegue entrar pelo YouTube para você ver o que eu estou lendo, tá bom? Entra pelo meu Stories, arrasta a tela para cima. Chapitre 8, capítulo 8, chapitre 8. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur.
Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où, et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le Petit Prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant « Je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le Petit Prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle !»« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. » Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, » avait-elle bientôt ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au Petit Prince « Ils peuvent venir les tigres avec leurs griffes. » Il n'y a pas de tigre sur ma planète, avait objecté le Petit Prince. Et puis, les tigres ne mangent pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. Oh, pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas eu pas un paravent? Horreur des courants d'air? Ce n'est pas de chance pour une plante, avait remarqué le Petit Prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens, mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le Petit Prince dans son tort. Ce paravent, j'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même ses remords. Ainsi, le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter », me confia-t-il un jour. « Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eut dû m'attendrir. » Il me confia encore. « Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. » Et voilà, agora, último capítulo que vamos ler hoje, capítulo 9, para quem está entrando agora, a gente está lendo aqui Le Petit Prince, o livro Le Petit Prince, então alguns capítulos a cada dia, e hoje a gente leu o capítulo 5, 6, 7, 8
E agora a gente vai ver o capítulo 9, d'accord? Então, se você quer acompanhar o que eu estou lendo, né, o material escrito, você pode entrar pelo YouTube, entrando no meu último stories e arrastando a tela para cima. E você que está aqui me acompanhando, on y va, chapitre 9. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre planète, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Muitas páginas vazias, voilà. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu, » dit-il à la fleur. Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu, » répéta-t-il. La fleur toussa. Mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte, » lui dit-elle enfin. « Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il fut surpris par l'absence de reproches. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne prenait pas cette douceur calme. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, » lui dit la fleur. « Tu n'en as rien su par ma faute. » Cela n'a aucune importance, mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse le globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai des griffes. » Et elle montrait naïvement ses quatre épines. Puis elle ajouta, « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir? Va-t'en. » Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Et voilà. Então a gente leu hoje até o capítulo 9, capítulo 5, 6, 7, 8 e 9 do livro Le Petit Prince. Eu agradeço imensamente vocês e fiquem ligados. Eu aviso sempre no grupo do Telegram quando vai começar a leitura. Amanhã às 11 da manhã temos aula de francês básico e mais cedo pela manhã, quem está inscrito na semana de imersão na língua francesa, l'incroyable semaine de la plongée française, vai chegar para vocês por e-mail aula 2. Se você ainda quer participar, ainda dá tempo, então me manda uma mensagem no direct para você descobrir como aprender francês em até 6 meses. Manda aí uma mensagem e eu te mando o link para você poder se inscrever na nossa semana de imersão, que vai até domingo, d'accord? Bonsoir, vous êtes très importante pour nous. Merci, Sueli, c'est vous qui l'êtes. Je suis très heureux de vous connaître, merci. Super! Então, opa! Espero que vocês tenham gostado, então, da leitura e a gente continua do capítulo 10 em diante. Un grand merci! Et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Et merci à vous aussi. Ciao, ciao.